À ton avis, pourquoi est-ce que tu as cette impression d'être le meilleur alors que d'autres peuvent se sentir nuls? Moi, je pense que la question l'est vite répondue. Le talent? Non, parce que l'autre jour sur la plage, je disais qu'il existe des gènes de bien-être ressentis sur les chromosomes 1 et 19 en fait. C'est pour ça, j'aurais dû commencer par là. Un jour, il faudra qu'on parle de ta vie. Puisque des fois, tu me provoques un sentiment... Je sais pas comment dire, hein, mais ça se rapproche pas mal de la pitié, je crois. Mais quel rapport avec le bien-être subjectif? Oui, mais non. Parce que je te vois venir à 100 km avec ton bien-être subjectif. Tu vas me dire que j'ai l'impression d'être bon, mais que je suis pas forcément. Et moi, je te dis, tu mesures objectivement mes performances et on n'en parle plus. Je suis beau gosse? Bah si. Je gagne bien ma vie, succès avec les filles. En plus, je sens bon, regarde. Ah merde, c'est vrai. Bon, bah voilà, quoi. Et tu sens pas du tout la subjectivité dans ce que tu me dis, là? Ou tu le fais exprès? Mais qu'est-ce qui te faut de plus? Bon, admettons que tu sois objectivement bon, même si j'avoue que je vois pas bien comment mesurer ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est ton ressenti, justifié ou non. On recherche la subjectivité. Pourquoi quelqu'un qui a tout peut être déprimé et quelqu'un qui n'a rien peut être très heureux? Ah mais ça se sait, ça. Avoir des trucs, ça a jamais rendu heureux. Genre, tu veux une grosse voiture, et puis bah, quand tu l'as, t'as plus le désir de l'avoir. Vu que tu l'as déjà. Et du coup, tu reportes ton désir sur autre chose et c'est sans fin. Genre les Grecs, je sais plus lequel, ils savaient ça déjà. Bon, ils s'y sont tous un peu mis, sur les désirs artificiels ou naturels. Mais là, je te parle pas que de la possession de quelque chose ou de quelqu'un. Avoir tout, ça peut être aussi avoir l'amour de tes proches, de tes enfants, la santé, la force physique, etc. La question serait plutôt, pourquoi, situation similaire, certaines personnes se sentiront bien dans leur peau et heureuses, et d'autres pas. L'autre truc, c'était chromosome 12 et 24, là. Ça, j'ai vu au lycée, mais je te cache pas que déjà sur le coup, j'avais pas trop vu l'intérêt. Et puis bon, ça commence à remonter un peu, donc... Non, mais ça va, je sais. Aujourd'hui, on parle bien-être et recherche de gènes. Ouais, voilà, on a qu'à faire comme ça. Après, t'as l'air d'insinuer que j'écoutais pas en classe. Alors franchement, j'étais plutôt bon. Bon alors déjà, le bien-être ressenti, ça s'étudie pas pour le fun ou quand on n'a rien à faire entre deux projets sérieux. Le bien-être ressenti, c'est rien de moins qu'un prédicteur de ta longévité. Combien de temps tu vas vivre et dans quel état de santé? C'est prédicteur de tout un tas de maladies, cardiovasculaires, hypertension, obstruction chronique des poumons ou encore plein de troubles psychiatriques. C'est aussi relié à tout un tas de bonnes choses, comme une attitude plutôt optimiste concernant ta propre santé, avec globalement la sensation que ça va. Un meilleur réseau social, le soutien de tes proches, etc. Donc quand on se sent bien, on est plus heureux. C'est ça que tu essayes de m'expliquer, Captain Obvious? Mais en vrai, l'humeur, ça varie d'un jour à l'autre, ou d'une période à l'autre, tu sais. Genre, t'es coureur de fond, à succès, super heureux, et tu perds tes deux jambes dans un accident de voiture. On peut comprendre que t'aies du mal à retrouver le sourire. Non mais tu vois ce que je veux dire? Il se passe des choses dans ta vie qui affectent ton humeur ou ton bien-être ressenti. Et je vois très bien. Ton humeur, ton surpoids, tes addictions vont varier plus ou moins au cours de ta vie. Ce qu'on essaye de voir ici, c'est pourquoi certaines personnes auront une tendance à être bien dans leur peau, une tendance au surpoids ou une tendance à la dépendance à une certaine substance, malgré les aléas de la vie. Ces aléas font partie de tes expériences de vie qui vont eux-mêmes influencer comment tu réagiras la prochaine fois. C'est le fameux dialogue entre interaction génotype-environnement et corrélation génotype-environnement. On avait déjà bien parlé dans cet épisode sur le choix des partenaires amoureux. Tu trouveras plein de livres et de vidéos pour être plus heureux au quotidien. Ici, je t'explique pourquoi certains ont plus de facilité que d'autres. Et je parle pas forcément de génétique. En 2007, la chercheuse Tara Strine et ses collaborateurs ont publié une étude qui portait sur 12 millions d'Américains qui avaient entre 18 et 75 ans, pour savoir à quel point ils étaient satisfaits de leur vie. Mais niveau quoi? Réussite? Amour? Thune? En général. La question c'était, en général, à quel point êtes-vous satisfait de votre vie? Genre toi, à quel point t'es satisfait de ta vie? Oui, non, plutôt, ouais. Bon, il y a toujours des trucs qu'on peut faire mieux, hein, mais dans l'ensemble, ça va, ouais. Bah voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois que globalement, 90% des gens se déclarent satisfaits, ici, peu importe leur niveau d'études. Tu vois aussi que les personnes ayant un diplôme d'études supérieures au bac se déclarent un poil plus satisfaites que ceux qui n'ont pas le bac. Les personnes mariées se déclarent aussi plus satisfaites que les personnes célibataires ou concubines. Les personnes les moins satisfaites de leur sort seraient les ex-mariés, donc divorcés, séparés ou veufs. Les personnes les moins satisfaites dans toute cette étude étant les chômeurs et les personnes dans l'incapacité de travailler pour des raisons de santé. C'est marrant, c'est ceux qui sont privés de liberté qui se sentent les moins satisfaits.
Maintenant, du coup, les couples mariés devraient se sentir super insatisfaits. Ouais, je te taquine, elle te va bien, ton alliance. Bon, mais t'as dit que c'était des Américains. Les Américains, ils sont vachement mariage, travail, alors que nous... Oui, nous, ça n'a rien à voir, nous, c'est pas pareil. Oui, voilà, c'est ce que je disais, nous, on est un peu plus... Non, mais c'est clair, c'est différent. Nous, on n'est pas aussi... Ben, c'est ça, tout à fait. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement plein de choses à prendre en compte, mais la méta-analyse de Mike Bartels, qui date de 2015, reprend 30 études de jumeaux et a recalculé l'héritabilité du bien-être subjectif ou de la satisfaction dans la vie. Héritabilité, tu te rappelles? 100% ça veut dire complètement dû à tes gènes, et 0% ça veut dire pas dû à tes gènes déjà, et complètement déterminé par l'environnement. On avait déjà bien parlé sur la vidéo sur le surpoids, là-haut, mais je te remettrai un lien en fin de vidéo. Bref, bien-être subjectif, 36% déterminé par tes gènes, et satisfaction de vie, 32%. Oui, ouais, c'est pas ouf non plus. Et je dirais même, et là je pèse mes mots, c'est pas fifou. J'ai l'impression que t'es déçu. Ça veut juste dire que ta sensation de bien-être est due à ton vécu, plus ou moins facile ou difficile, et puis quand même à ta nature plus ou moins sereine. Dans la même veine, cette étude de 2009 porte sur l'optimisme et plus seulement sur le bien-être. La chercheuse Mariam Mossing et ses collaborateurs se sont intéressés à l'optimisme de près de 3000 paires de jumeaux âgés de 50 à 94 ans. Donc adultes, tendance vieux. Là, on peut aller un peu plus dans le détail, avec l'optimisme des femmes qui est à 41% génétique et 59% dû à leur expérience de vie. Et pour les hommes, c'est pas du tout génétique avec 8%, 18% dû à leur éducation familiale et 74% à leur expérience de vie. Ah, mais celle-là, tu me l'avais déjà faite. C'est bizarre quand même, non? Je veux dire qu'un truc soit génétique chez les femmes et pas chez les hommes. Normalement, si c'est génétique, ça veut dire que t'aurais des gènes d'optimisme, là, par exemple. Mais que chez les femmes. Les hommes, ils en ont pas. Et c'est pas un peu chelou? Attends. Rappelle-toi qu'on se situe toujours dans un contexte donné. On peut pas dire que les hommes n'ont pas de gènes d'optimisme, mais que dans cette étude, on ne met pas en évidence d'effets génétiques chez les hommes. Mais derrière, il y a peut-être des gènes quand même. Ouais, mais le contexte de l'étude, c'est le même pour les hommes et pour les femmes, non? Ou alors les hommes et les femmes sont élevés dans des mondes complètement... Attends, il date de quand ton étude? 2009, pourquoi? 8 plus 7 moins 2. T'as dit que les participants avaient tous plus de 50 piges à peu près. Donc ils sont nés bien avant mai 68. Genre plutôt dans une société encore bien patriarcale. Quand justement, les hommes et les femmes vivaient presque dans des mondes différents. Attends, je dis mai 68, mais ça se trouve, elle est même pas française ton étude. Si? Bah, les participants sont australiens. Mais les années 60 sont riches en révoltes culturelles, t'as raison. On parle même de contre-culture des années 60. C'était l'époque de la guerre du Vietnam, des hippies, des Beatles. Et on assiste à beaucoup de manifestations étudiantes de désobéissance civile, et même en Chine. Bref, c'est pas qu'en France. Ah, donc j'ai bon. Donc je continue. Les participants ont vécu dans une société où les hommes et les femmes étaient traités très différemment. Et t'avais dit dans cette vidéo-là que ton mode d'éducation pouvait plus ou moins gommer tes particularités génétiques. Même d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'était les éducations un peu strictes. Ouais, c'était pour la dépendance à l'alcool. Bon bah, accroche-toi. Hein. Là, je m'accroche. Ça serait peut-être possible que les hommes et les femmes nés à cette époque aient reçu des types d'éducation différentes. Et même aient été confrontés à des événements ou à des attentes différentes pendant leur vie. Je veux pas dire que c'est bien ou mal, mais ça a juste peut-être été différent. Et ça suffit à masquer la génétique des garçons et à révéler celle des filles. Ce serait marrant de refaire l'étude maintenant avec des gens nés dans les années 70-80 pour voir comment ça a évolué depuis. Et accessoirement, l'impact des Beatles sur la génétique des filles. Ils grandissent si vite. Ce que tu fais là s'appelle discuter les résultats, et ça se fait systématiquement en fin d'article. Bon, pas en ce qui concerne les Beatles, mais on avance des hypothèses soutenues par des preuves ou d'autres études qui vont dans le même sens. Ici, les auteurs ne parlent pas de cet aspect des années 60. Mais tu pourrais, toi, être convaincu qu'il faut creuser ça et tester ton hypothèse avec des nouvelles études et des gens plus jeunes, comme tu l'as dit, ou bien même chercher des jumeaux qui auraient été élevés dans des sociétés plus patriarcales, par exemple. Là, je suis trop bon. Tac! T'as vu ça? Impact de la société patriarcale sur les études de génétique. La frontière est mince entre discussion et surinterprétation. L'une est scientifique et l'autre est journalistique. Tant que t'as pas étudié ton hypothèse, ça reste quand même du niveau d'une discussion d'apéro. Et le caractère relou, c'est sur quel chromosome? Ah, d'ailleurs, on les a oubliés, ceux-là. Ah oui. Tes gènes sont portés par ton ADN, qui est lui-même tout compacté en 23 paires de chromosomes. Avec des méthodes statistiques un petit peu sympas, on peut chercher où se trouvent les gènes qui contrôlent un caractère en particulier.
En 2010, Mike Bartels, encore lui, et ses collaborateurs ont détecté deux zones majeures contrôlant le bonheur subjectif chez 3400 sujets venant de 700 familles. On obtient ce genre de graphique avec en bas les chromosomes, enfin les paires de chromosomes, et puis bah, quand ça dépasse les pointillés, on considère que cette partie-là du génome s'allume pour ce caractère en particulier. Du coup, ça fait un pic sur le chromosome 1 et un autre sur le chromosome 19. Alors autant je trouve ça marrant à dire, autant l'utilité de savoir ça, je vois pas bien. Bon, la vraie utilité, c'est d'abord de confirmer qu'il y a bien de la génétique derrière tout ça. C'est pas évident de trouver des zones d'ADN, alors quand on y arrive, on se dit qu'avec notre héritabilité de 30-40%, bah on n'était pas complètement aux fraises. Mais du coup, que ça soit sur tel ou tel chromosome, on s'en fout un peu. À ce stade, avec juste une étude, oui, un peu. Il faudrait refaire l'analyse sur d'autres populations, recouper les zones en commun et puis commencer à chercher tous les gènes qui se trouvent dans ces zones. C'est un travail long et fastidieux, la recherche de gènes. Et pour être honnête, il vaut mieux être intéressé par comment chercher les gènes plutôt qu'espérer en trouver vraiment. Ah bah, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et puis des chercheurs qui trouvent, on en bref, cherche. Ton bien-être ressenti, ta satisfaction de vie, ton bonheur subjectif ou ton optimisme sont autant de caractères qui impliquent ta subjectivité et c'est précisément ce qu'on cherche. Comprendre pourquoi telle ou telle personne ressent ce qu'elle ressent. Les résultats montrent que ces caractères sont contrôlés à 30 ou 40% par tes gènes. Il existe même des zones identifiées de ton génome contrôlant le bien-être subjectif. On pourrait supposer que le type d'éducation parentale que tu as reçu peut plus ou moins contrebalancer ta tendance naturelle à l'optimisme ou au pessimisme, mais ce sont là que des spéculations. T'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur. Voilà, si vous êtes vous-même un ou une éternelle optimiste, je vous engage à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne car le contenu y est top. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne autour de vous, auprès de vos amis heureux et satisfaits de leur vie, et puis à la prochaine.